Messieurs, grande finale de 2X! Walmart contre Razer! Et ça joue fucking top tier quand même. Mais c'est bien présent. La Walmart Diz, l'homme du tournoi des légendes, qui n'affronte pour le coup que des Français. On peut pas dire que les French sucks. Ici ça ne marche plus. Ça ne marche absolument plus. Plus d'intimidation possible. Et Razer qui attaque bien quand même. Regardez, Walmart qui a un tout petit peu raté le bas moyen point étiré qu'il a fait en cours. Non, 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 trop tôt dans la super, il a voulu dasher. Encore son gros point. Ouais, Walmart qui a juste vu la distance de whiff replacer une chop avec encore une fois la mise à distance qui est bonne. Drill, il vient lui chercher les embrouilles quand même. Hein. Le dash hopper vient de loin avec la super qui peut aller dans n'importe quoi. La super qui est là. C'est super placé. Razer qui met de MK de ce vertical avec l'agression. Le comeback de Razer. Sur une super craquée de boxeur et on a voit Walmart peut-être un tout petit peu moins sûr qui est dans le coin très rapidement à présent alors que il avait l'habitude au début du round de repousser le boxeur de Razer très loin dans le stage et si c'est lui qui se fait un peu pousser ça n'empêche pas de dominer ce match pour le moment avec le son gros pas encore qui trade, c'est ce qu'il cherche Razer, les trades, mais les trades sont trop tardifs, la super elle est là, bien joué ce drill. Pour éviter la super, il est passé juste au-dessus, oh ça retouche, le dashopper passe pas en revanche, attention il est obligé de garder, Walmart qui est juste sur la défense. Avec ce BAMK qui est très rapide de Dalsim et qui touche loin, c'est un très bon coup pour défendre les décalages chop de n'importe quel perso. Elle allait trouver les ouvertures mais c'est Walmart qui chope, cela dit grâce à Boxer. Et en version X, on peut déchoper tranquillement Razer. Non, non, voilà, c'est plutôt ça, un stand medium kick qu'il faudrait utiliser plutôt que d'utiliser systématiquement gros point qui l'handicap. Il avait un whiff finish, il avait un whiff finish de MK, de MK, de hit combo d'un Walmart qui s'approche peut-être du gain du premier set. Mais encore cette super qui pose tellement de difficultés que Razer n'a pas. Bien joué ça! Premier God Flame hein, de la part de Walmart, le premier. Et ça fait mouche, il l'utilise pas n'importe comment. Alors à cette distance-là, j'aurais plutôt vu une super sortir. Mais visiblement, le Gaflame a suffi. 1-0 pour Walmart, j'appelle c'est en 3. Walmart qui le veut, son stunfest, pour montrer qu'il est présent et prêt pour le X-Mania. Dans deux semaines, il va y avoir encore plus de niveaux réunis au même endroit. Et Razer qui a pris l'avantage, mais qui se fait maintenant dominer par le Zonic de Dalsim. Ce petit point, c'est hallucinant. C'est juste hallucinant le sang-froid de Walmart pour le moment. Il ne laisse rien passer. Super ou pas super, voilà. Tu retomberas pas au sol. La pripe, les pieds et les poings liés dans les dents, Razer. Et ça saute en arrière immédiatement. Walmart qui finalement se dit que c'est peut-être stratégiquement pas trop... pas trop mal de reculer de temps en temps. Par contre il a pris ce dash low ou cette balayette avec encore un bas moyen point. Voilà, elle est bien Razer, elle est bien. Il y a juste un mix-up derrière ça, ce qui va sauter. Mais oui, comme je vous les avais expliqué juste avant, le bas medium kick est un très bon anti-décalage. Et bien a été utilisé ici par Walmart pour anticiper la chop. Seulement Razer a anticipé qu'il avait anticipé ça. Il a donc mis son bas MK qui le mange. Voilà, contre deux contre, le mind game dans le mind game et tout ça. Les jeux de combat, tout ce qu'on aime quoi. Et une très belle lecture du jeu de la part de Razer sur ce mix derrière super. Mais Walmart est en train de dominer à présent ce deuxième, ce troisième round avec le gars du deuxième set au bout de la clé. Oh, il sort pas, il sort pas, il s'est fait trapper. Yoga feu avec encore un yoga feu. 2-0 pour Walmart. Il n'a pas perdu encore dans ce tournoi. J'ai même pas pu réussir à aller se croquer avec ma griffe du 1. Personne n'a réussi à les croquer avec une griffe. Et Walmart qui est peut-être en position de s'offrir le tournoi de... Ah par contre ça, ce UA Fire à la relevée, c'est une boule qui tue. Et il prend les décalages chop et le mix-up encore. Et là tu peux pas mettre le bas medium kick. Voilà, il le met ici mais c'est beaucoup trop tard. Walmart qui a perdu énormément d'énergie et qui prend eh bien, le reversal dash trait avec double touche d'un Razer qui a été ultra agressif et qui a su tirer parti de cette première chop passée. Allez, immédiatement jump in, jump in, jump in, jump in. Non, le headbutt est mauvais. Le headbutt est très mauvais. Il se prend les deux bas medium kick avec encore un petit point. Stand gros point, il repousse à max range. Avec la barre arrière, petit point qui a fait double touche. Et Razer qui maintenant en manque de vie, même si ça, ça touche. Avec encore la super. Vous voyez, en fait, son style de jeu qui constitue à attaquer avec des sauts gros points. Ouais, c'est bien joué ça encore. Le bas moyen point qui a cassé le gros point. Le saut gros pied qui touche avec le dash hopper cassé par la super. Et Walmart qui s'offre une balle de match.
tout ce jeu de normaux, de boxeurs, ne charge pas la super. Et du coup, handicap, Razor qui ne peut pas revenir comme il le voudrait. Parce que sa super, il ne l'a jamais dans le round, si vous regardez bien, ou très très rarement. Walmart qui fait preuve d'une très bonne domination. Voilà, dash low, balai punch, et toujours le bas medium kick, anti-embrouille, de MK Yoga Fire. Walmart pour sa balle de match, peut-être 3-0. Et le gars du Stunfest à suivre, avec encore un gros pied, et le pas petit point, la défense parfaite. Walmart remporte le Stunfest 2013. C'est pas facile, croyez-moi, c'est pas facile. Quelle défense incroyable de la part de ce joueur extrêmement bien établi. Et bien voilà, il a fait le travail pour aller remporter les tournois. Et ça y est, ça commence à payer, ça commence à gagner. Je ne sais pas s'il viendra nous rejoindre ici pour la remise des prix. Félicitations encore à lui. Les phases finales de Super Cifre.